Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale Fête de Genève, le troisième épisode. Alors au sommaire aujourd'hui, l'entretien avec Léon Méné qui va nous parler de la parade du lac qui aura lieu d'ailleurs demain dès 15h30 tout autour de la rade. Ensuite, la rubrique coulisses va vous emmener au cœur du luminarium et nous terminerons avec l'agenda des fêtes. Alors dans l'entretien d'aujourd'hui, nous allons parler de la parade du lac qui aura lieu demain tout autour de la rade. Et pour en parler, nous avons avec nous Léon Méné et Jean-Claude Vellen. Bonjour. Bonjour Valentine. Alors Léon, ça fait combien de temps que vous êtes dans le comité des fêtes de Genève et quelle est votre fonction? Alors 5 ans, la première année c'était pour l'événement lié au cirque. Et donc depuis ce moment-là, je suis attaché à la programmation musicale, la coordination et les événements, dont la parade. Voilà, donc cette grande parade samedi 2 août, ça commence à quelle heure, Jean-Claude? Peut-être vous pouvez nous expliquer? À 15h30 et à 14h30, il y aura des animations sur le quai qui est en face de nous. Quel type d'animation, par exemple? Alors, il y aura un groupe folklorique qui s'appelle la Combersine, qui nous vient de Martigny-Croix. Il y aura les Bouviers Bernois, qui viennent de Genève. Il y aura la Brande, qui vient de Genève. Et il y aura la Bossette, qui vient de Russin. Ceci pour les animations. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre la Suisse au centre de l'animation. C'est un peu rattaché à l'année en fait, du bicentenaire, qui est une année déterminante. Et donc, notre but était de rassembler un certain nombre de sociétés et de corps de musique qui signifient l'entrée de Genève dans la Confédération. Quel est exactement, Jean-Claude, le trajet de cette parade du lac samedi? Alors, le cortège partira de la rue Jean-Marteau, prendra le quai du Mont-Blanc, le pont du Mont-Blanc, et ici, tout le long, jusque sur le quai Gustave Adore, où à la hauteur du 31 décembre, on fera un retour. Et ici, sur cet emplacement, le cortège s'arrêtera, la parade s'arrêtera, et chaque groupe de musique pourra se produire avec un morceau. Et les grenadiers fribourgeois tireront une salve. Très bien. Jusqu'à quelle heure les animations samedi sur la rade de Genève? Alors, je pense que nous allons repartir à 16h30. Du quai Gustave Adore, et l'arrêt ici à 16h45, et ensuite le retour sur 17h15, 17h30. Donc, nous sommes dans un luminarium, c'est une structure qui est artisanale, qui est faite uniquement à la main, et elle est l'œuvre de Monsieur Alan Parkinson. Ce soir à 20h30 sur la scène des clubs, retrouvez Ira May and the Season. Et demain à 6h du matin au zoo musical des Bains des Paquis, le duo Didier Kugel. Et dès 11h30, démonstration de jet ski et de flyboard, mais également une démonstration de la police de la navigation. Et à 15h30, la fameuse parade du lac. Merci d'avoir suivi avec nous ce troisième épisode émission spéciale Fête de Genève 2014. On se retrouve demain avec un nouvel épisode et moi je vous souhaite une excellente soirée sur l'Aimant Bleu.